Zami famille Anoué Lakayo, bramaré pour trois conseillers présidentiels yo dans conseil présidentiel qui impliqué dans scandale de corruption. Juge Benjamin Fizeme qui gagne un dossier ça nan men li, k'ap mené enquête après rapport ULCC. Eh bien, juge Benjamin Fizeme li invité conseiller présidentiel Louis Gérard Gilles dans le cabinet de section 19 novembre prochain, dans une lettre magistrat adressée à intéressé en 25 octobre qui saute passé là. Donc, invitation ça. Donc, les vini dans question de corruption passive, réception de pots de vin avec habit de fonction. Eh bien, il y a un avocat qui a conseillé, donc, qui a défendu Emmanuel Vertilaire, qui est représentant parti. Petite Dessalines de ancien sénateur Moïse Jean-Charles n'a parlé de Maître Gerbi Blaise, eh bien, li averti juge là. Donc, selon article 90 code pénal, là, juge là pas qu'à inviter une autorité publique sans autorisation yon président de la République. Li poursuivre pour dire que juge là pas gen compétence pour ça. Donc, c'est Cour de justice ou bien devant parlement haïtien donc qui a invité Emmanuel Vertilaire donc il parlait tout pour trois conseillers présidentiels yo. Il dit que si client lien Emmanuel Vertilaire t'a déplacé aller devant juge là donc Emmanuel Vertilaire lui violé la loi et juge là tout s'il invité yon nan conseiller yo juge nan bon côté parle li violer la loi. Eh bien, li avancer si juge nan continue dans démarche li yo, donc li pral mandé à destitution des juges là. Li déclaré c'est bien malheureux que ancien premier ministre Claude Joseph évoqué article 2 dans décret qui portait à création conseil présidentiel là côté article ça. C'est un article qui parlait de éligibilité donc membre non et conseil là donc c'est pas en question de sanction que décret ça lui-même les parler donc nous pral faire autant de déclarations que Maître Gerdi Blaise et lui-même et lui fait mais avant faut que nous dire que gagné et Claude Joseph donc qui allait plus loin dans déclaration que lui fait eh bien Claude Joseph allait toucher Gary Conny premier ministre en pays il dit Gary Conny si ou même ou arrivé chita avec trois conseillers présidentiels ça yo non question de remaniement ministériel eh bien ou c'est un complice de trois inculpés donc que Claude Joseph lui-même li déclaré donc déclaration ça yo en pile nous pral faire autant de déclaration yo donc bagala li toujours été compliqué donc entre conseil présidentiel là avec premier ministre Gary Conny à gouvernement Gary Conny là que sous plan et sécurité c'est toujours difficile dans moment que n'a parlé là côté que nous gagnons l'autre zone qui commence à rentrer dans l'ancien zone territoire perdu tant que Solino Nazon dernier rapport là dernier ça que SPNH 17 lui-même li partagé avec nous qui c'est syndicat dans la police 80% dans Solino ak Nazon en bas contrôle monsieur Vivant Samio donc nous avons une vidéo qui a circulé sur tout réseau hein. Donc ou ka gade sou Anoué Lakay TV et sou Telegram ou ap gade vidéo sa yon kote ke tout hier soir donc monsieur yo donc ap marché ap attaqué ap boulé en pile maison en pile caille nan Solino donc Solino tombé en bas contrôle monsieur donc vivant ensemble yo donc on parler de vivre ensemble faut que nous dire que gen barbecue n'a rappelé nous rappelé nous dans live barbecue t'a dit que il était elle était invité une fois dans ambassade américain et tout gagné ambassadeur qui t'a pas intervenu sur radio télévision métropole côté que il était dit il qu'on parler avec gang yo pour question de sécurité ambassade là et bien zami famille nou yo donc gagné une photo qui a circulé donc photo ça on regarder là qui t'a fait croire que et barbecue lui-même té chita ensemble avec et ambassadeur américain en Haïti Denis Sanking dans salon la Cali. Donc faut que nous dire que photo ça c'est une photo et c'est un photoshop lié. Donc malheureusement, donc c'est pas une vraie photo que lié. Donc mais vraie photo on va regarder là. Donc ça c'est côté que barbecue lui-même t'a parlé avec un journaliste Reuters yo. Nous rappeler nos journalistes qui t'ai porté cadeau pour barbecue yo, eh bien c'est photo ça que donc yo prend, yo mettez
ensemble avec ambassadeur américain. Donc en photo ça c'est un Photoshop lié, donc en pile monde croit li c'est vrai, mais c'est une réalisation Photoshop lié nous voulez ou clair sur ça tout fanatique à nous la caillou, donc pas et quoi donc non ça. Donc c'est pas photo qui a fait nous sortir donc de réalité hein, et que majorité des amis sorti donc dans Floride dans États-Unis et puis que ambassadeur Ali nous dit que lui qu'on parler avec un bandit que en pile observateur donc toujours l'on doit être sur États-Unis qui sont complices de ça que nous même n'a pas vivre là et nous étendez donc déclaration que ancien colonel Himmler Rebus lui-même donc lui était fait dans et question c'est là. Donc en situation sécurité pays a toujours été est compliqué au niveau de exécutif là, donc nous voyons que c'est bataille et qui a fait. Donc déclaration que chef à cabinet donc Gary Kony lui-même ni fait a dit que Gary Kony donc en pente et prend question de sécurité paysan très au sérieux, donc il était fait une mauvaise évaluation donc de question de sécurité, donc on va attendre causer. Mais je dis on a fort attendre deux déclarations ça yo maître Gerdy Blaise lui-même qui intervenu donc sous question de invitation trois juges et trois conseillers présidentiels yo que juge donc Fizeme Benjamin donc côté que lui déjà invité Louis Gérard Gilles, Louis Gérard Gilles pour venir répondre question. Donc si que juge lui-même aller dans une démarche comme ça, donc c'est une démarche qui illégale parce que faut qu'il jeune autorisation du président haïtien. Mais est-ce que monsieur ça même yo joui toute humanité donc de yon président? Donc c'est une grosse question que Gerdy Blaise lui-même lui pas répondre. Mais avant entendre déclaration que Claude Joseph lui-même elle fait donc à côté que lui parler avec Gary Kony pour dire pas chita bon côté toi inquiète pays ça yo, donc ainsi que lui arrivé chita côté inquiète pays yo, donc monsieur ça yo eh bien Gary Kony lui-même lui c'est un complice ami et famille nous yo. Donc entendez déclaration que Claude Joseph fait et après nous pour aller dans déclaration que Gerdy Blaise lui fait ami famille nous yo. Contradiction, il faut voir le pays d'abord, Haïti d'abord. Il faut voir Haïti d'abord. Donc, la question de M. Kony, et c'est pourquoi nous autres au niveau de aider, nous demandons, et n'est-ce pas, à Gary Kony de prendre acte qu'ils sont désormais des inculpés. Parce que Gary Kony, s'il acceptait Al-Chita, acte 3 inculpé non conseil des ministres. Il fait le complice automatiquement. Il fait le complice. Donc, on y a nous-mêmes, on a viré sous Gary. Kony. Non, pour demander d'aller. Ah, bien sûr, parce que. Et ou pas qu'à faire, complice, même al travail son remaniement ministériel, avec des hommes qui tombaient sous le coup de l'article 2, qui dit que depuis ou poursuivi, depuis ou accusé ou poursuivi pénalement, ou pas capable dans CPA. Nous n'avons pas le politique là, sérieux. Ah ben, donc, à ce moment, le pays l'a regardé. Quelle est la référence aujourd'hui? C'est l'accord du 3 avril, qui est la loi des partis. Donc, monsieur le Premier ministre Gary Kony, les autres membres du CP, ils doivent chita parler avec les secteurs. Vous parlez de secteur et qui t'a utilisé, monsieur. Scoop. Est-ce qu'il y a plus clair qui secteur ça qui a utilisé les trois équipes pour régler l'affaire? Alors que probablement quelques temps plus tard, il y a acheté d'eau. Il n'y a pas besoin encore. Mais écoutez, il y a des secteurs qui bénéficiaient annuel de situations. Yeah. Bon. Ou est qui secteur, par exemple, qui prend la présidence, dans la présidence tournante. Mais moi, que nous peut. Non, il y a Alexis Voltaire, qui est membre du Parti Famille Lavalas. Il y a également Fritz Jean, qui sont anciens cadres de Famille Lavalas, qui a fait une alliance avec Alexis Voltaire. Il y a Gérald Gilles, qui est membre de Famille Lavalas, qui a été membre de Famille Lavalas et qui a une sensibilité à Lavalas, ça fait trois. Et puis, ouais. Maintenant, il y a Vettiler qui est de Petite Dessalines, mais qui ont certaines sensibilités, ça fait quatre. Ouais. Pas oublier, tous trois négos, ils ont obligé Smith de aider, obligé à l'entrée en bas la Valas. Vous comprenez? Ça fait cinq nègres qui ont joué. D'ailleurs, si on n'a pas baillé la Valas, aucune pénétration, la Valas a mangé déjà.
pour le moment, il y a utilisé, c'est vrai, il y a utilisé, mais puis devant, il n'y a pas de quelqu'un. Parce que ça qui doit arriver, si la justice est rapide dans le dossier, peut-être qu'il y a un droit avant et année a fini. Et puis, il dit, oh, bah, non, hein. Mais pour le moment, la valance a utilisé. Pas la valance comme si, comme parti, besoin de faire ça. Non. L'inormal, c'était dès que tu es dans la position, tu as utilisé tout. Mm-hmm. Parce qu'il y a besoin de pouvoir. Donc, la valance a besoin de pouvoir. Maintenant, nomination pour le fait. C'est le plus important. C'est-à-dire, tout magistrat, tout délégué, tout député, et magistrat délégué de ville, etc., et délégué moun qui représente le président, tout, pral nommé dans l'administration, et pas pour le ministre Raphaël. Donc, ça a une certaine possibilité pour yo gagner représentant au niveau pays, et toute élection a beaucoup plus favorable pour eux. Laisse ça aider presque perdu. Mm-hmm. Alors, bon, bah, et Ben, au souligné, gagner dans sa fait là par exemple ou dit faut PM dans ta prend acte et au même mandé pour représentant CPA Tachita avec PM non et non éventuelle solution par rapport à nécessité pour monsieur Sao dehors non CPTA non maintenant non ouais CPTA il fait bilan 6 mois il a parlé de transparence tout l'autre et domaine il va évoquer scandale corruption BNC, c'est comme si de rien n'était. Donc vous pensez que M. Joka bon, a consacré... Bon d'abord, moi trouvé qu'on pas qu'il y a une cohérence dans le bilan coordonnateur CPA fait. Oui. En plus l'incohérence. D'ailleurs, on songe ces mêmes coordonnateurs ça, avant le décoordonnateur, qui te dit une fois rapport à sorti, il a demandé monsieur vous aller. Oui, déclaration faite publique. Donc, rapport à sorti, coordonnateur ça, les au contraire, vient coordonnateur grâce à situation vulnérable, situation fragile, monsieur. Donc, il a profité de situation fragile. Donc, fragile, monsieur. Donc, on instrumentalisation dans la façon pareille qui fait de dossier. Donc, moi, je pense dans le bilan, et faut que l'État a montré que son CP qui est marqué, caractérisé par la corruption. C'est-à-dire, le dossier de la BNC qui épinglé d'abord toi monsieur yo gen un rapport ULCC qu'on y a inculpé. Mm-hmm. Donc au côté de Yel souvelé et pendant coordonnateur a fait bilan ou te gen trois inculpés campé. Mm-hmm. Ou gen trois inculpés campé. Donc c'est pour marais qui a passé on t'a capable dit et inaperçu. C'est pour ça. Nous-mêmes nous quoi que nous fait appel ça, son position de courage, une position très courageuse, nous mander ministre défense là, qui sont membres parti politique aidé, pour pas participer dans aucune rencontre avec toi monsieur. Est-ce que le d'accord? Moi bien quand on pose question ça, mais ça me capable de Gary, monsieur Berthier, Jean-Marc Berthier Antoine n'est pas Smith. Ah bon? Non, non. Il y a une différence. Il y a une différence. Vous suivez et Smith, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un prêt à trahir son parti, son groupe, pour n'importe qui bagaille. Mais Berthier est un membre vert de ED qui respecte les disciplines de parti. Automatiquement, nous mandons Berthier pour le pal participer, il va aller. Donc quoi dans ça? Scoop. Pas de risque pour tromper. Aucun risque. Aucun risque. C'est un. C'est un. D'ailleurs, c'est quelqu'un de caractère. C'est un homme. Berthier est un homme. Et nous pas de doute du tout, du tout, du tout. Mais les cagins, c'est différent ça avec nous, monsieur. Oui, oui. Ça ne va pas te consulter, etc. Les cagins ça. Mais la discuter l'on a bâti. Mais le autant de monde qui relève, beaucoup de Smith qui a dit monsieur, si nous Claude Mando, si Edé Mando démissionner, pas démissionner, etc. Je dis yo, non. C'est dès que tu mettez là, depuis que tu dis retirer comme, retirer comme. Ah bon? Je te dis, mon yo pas même tenté faire ça. Lève tes position, yo te relève, dit, al fait équipe avec Smith. Quitte bagaille de ça, il dit non, 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 nous pas de jambes de qu'on aime avant. C'est des qui mettent là, piga nous fait ça. Il dit, mon yo, piga nous fait ça, nous fait suite par rapport avec. Moi, j'ai un problème avec vous. Oui, vas-y. Ou pas parle de ministre ça. Oui. Vous suivez et passe. Qu'on fait toute confiance ça. Oui.
L'autre qui peut mettre ambassadeur en République dominicaine, c'est Smith. Le pour te mettre président, c'est Smith. Oui. Sacrivé, qui fait pas, monsieur? Alors, chaque gain compétence par eux, il faut nous reconnaître que Smith, c'est un très, très bon intellectuel et qui gagne en pile capacité et en pile valeur. Pas oublier, pendant que je parle avec nous, je ne vais jamais dire que Smith volait. Pas du tout, non. Je ne jamais dire que Smith coupable. Non. Seulement, on dit l'opportuniste. Ouais. Moi, dis nous que Smith trouvait dans une situation qui est extrêmement difficile, qui fait que lui tomber en bas la loi, en contravention avec la loi, et lui pas capable dans ce pays, il faut lui reconnaître ça. Donc, il faut aider nous, qui fait une bataille pour accoucher la transition, ça, faut le dégager. Est-ce que Chita, ou t'es Chita après le scandale là, ou pas là avec lui, et comme si. Et staffé de Achita, monsieur devant nous tout, t'as posé la question, monsieur a répondu, n'a pris note pour nous garder qui niveau implication avant nous prendre décision ça compte. Bon oui, moi-même moi tiré les Smith pour me dire écoutez, ma situation. Comme on perspicace en pile en politique, on va côté nous aller. Me dit monsieur pas gagne aucune façon qu'à sortir là. Plus ça durer, plus ça plus difficile pour vous. Plus ou poil en bas projecteur, donc plus ou paraît tout le monde qui, comme syndicat, impliqué dans la question. Oui. Je dis à mon palais là, je ne connais pas si Smith lui-même, son nègre qui parlerait de lui, son nègre, il faut 100 millions de gouttes. C'est monsieur non mauvais garnison, mauvais compagnie, ton bill, non mauvais lait, non mauvais en droit, etc. Le fait, monsieur fait, posé là. Gonti alliance. Comme si une alliance qui fait à une même CPO vraiment ouais. Son alliance malsaine. Et ouais. Bien tout, oui, c'est ça qui passe Smith, oui. Ouais. Smith prend un, vous comprenez, il y a un bail qui arrive, c'est-à-dire, ouais. Jean lié avec un nègre, un nègre. Je suis certain que vous avez l'autre monde, ça va pas privé Smith. Ouais. Ouais. Même parce que monsieur, il y a une naïveté, faut nous présenter le comme ça. Mm-hmm. Naïf, qui pape suivre à réalité. Mm-hmm. Zon nèg la k'ap réfléchi, l'a passé mais l'entête. Mais on pensait que li pas comprendre dynamique. Et puis au côté parce que être intellectuel n'est pas suffisant en Haïti pour comprendre la politique. Oui, parce que moi pensais que monsieur Gayen et dans environnement li de monde que le fait confiance. Li était décidé venir là avec yo etc. qui mettait monsieur dans situation et d'aider attirer attention monsieur depuis au début. Ah bon? Ouais, tu dis monsieur côté. Nous attirer attention sous présence dans l'environnement de monde qui est capable de mettre dans le problème. On pas avoir une conscience tranquille si depuis au début, nous pas attirer attention Smith sur des monde qui dans l'environnement qui ouais transition comme une opportunité pour enrichir. Et tout le monde connaît son secret de polichinelle, de monde ça aucun environnement monsieur venir avec eux en Haïti. Moi-même et de l'autre monde aider nous prendre distance avec eux. Non, je vais me dire, mais. Scoop! Il y a un débat qui arrive. Lorsqu'on est qui bras droit, il pose un acte en Haïti. Et il y a un travail avant. Au bal ou en corruption, non? Parce qu'on est que je ne peux pas citer qui est lié à monsieur. Donc, monsieur fait un coup terrible en Haïti. Et là, monsieur vient faire quoi? Et puis, monsieur vient boire d'autres, monsieur. Ouais. Donc, je n'ai jamais évoqué ça, mais je connais. Ouais. Et nèg ça, c'est une année qui était. Mon qui prend quoi, c'est une année qui était dans le bataille avant, dans 184. Mm-hmm. Tu me comprends? Ok. Vous suivez, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pour moi. Petit problème. C'est pour moi. Parce c'est... que moi, m'excusez. Mm-hmm. Où est ma baille point de vue, moi, dans l'émission? Hein? Parce que vraiment, moi, pas. Ouais, Smith n'a pas ça. C'est le point de vue, oui. Parce que je rencontre monsieur, je parle avec elle, etc. Même pas Ouest Smith du tout n'a pas ça. Non. Vraiment, il glisse monsieur n'a pas ça. Ouais, moi-même, je pense que c'est compréhension. Tout, mais et, de toute façon, je dis à Smith doit comprendre que c'est pays. C'est pas lui-même. C'est des questions de principe.
c'est pas sa personnalité, son individu, etc. C'est plus que ça. Donc nous-mêmes, c'est on appelle à la sagesse, encore une autre fois, pour Smith, écoutez, démissionner, avant ça, aller plus loin et permettre que transition continue. Parce que Kenyan, Monsolino là, Caprile en moi, gagner situation économique, sociale, peuple haïtien qui est très difficile. Donc, il est important pour nous commencer à réfléchir à Kyo. Il est important pour nous à réfléchir et comment pour nous finir désormais à question transition ça en APIA. Parce que c'est dans le moment ça, il y a tout désordre qui fait de monde enrichi, agenda qui a bien implémenté, ce n'est pas agenda peuple haïtien, hein, donc il est important pour gagner une décision qui prend. Est-ce que quelque part, on a certaines déceptions hein, par rapport à Smith, Jean le comportil, et est-ce que je dis, hein, et nous a aidé, nous déçus? Bon, et moi de reconnaître que gagner une déception li total en aidé, li total en aidé. Parce que Jean Garidia c'est un monde que moi-même l'aime des ministres affaires étrangères de suggérer que le président nommé ambassadeur et après nous vienne ouais, c'est lui-même qui a représenté nous évidemment dans CPA. Après, Madame Dominique Dupuis était fine et by vague par rapport à menaces, par rapport à invectives, etc. Et que le tapé recevoir et qui était fait à son égard. Et donc, nous ne pouvons pas penser que représentant nous, on a un problème qui fait transition, pas capable, capable de démarrer. Je dis à gagner, on ne marquait pas sous place. Il y a des grands chantiers depuis monsieur ça a participé là-dedans, il vient fait que c'est des bails qui contesté automatiquement. Donc ça fait que et c'est la voie de la sagesse, moi crois que c'est un dépassement pour fait pour monsieur Yo, mais particulièrement représentant et direct compromis hein, pour lui. Darius rejoignons là et nous et absalou Darius, comment ça va? Absalou mon nom, qui vient saluer PM Claude et Joseph. Son plaisir pour nous voir matin, hein, l'émission Impasse. Et n'a pas salué tout le monde qui a suivi, qui a écouté. Et moi, je gagne une question bien rapide pour PM. Oui. Est-ce que décision pour Smith rété malgré demande pour l'autre école dans CPTA, est-ce que le palier au fait que dans ce secteur qui était choisi comme représentant de la division? Par exemple, nous avons aidé, nous avons demandé pour l'autre école, alors que Red Compromis historique, il dit qu'il aurait été solidaire avec. Est-ce que ça palier avec la division ça? Bon, on est capable de garder le conseil d'Arius. Cependant, moi-même, moi, crois, il y a un peu de monde en raid que m'habitue de travailler avec eux. C'est des hommes d'État et des femmes d'État. Il y a un monde en compromis de travailler avec eux. C'est des hommes d'État et des femmes d'État. Moi, je pensais que c'était une question de temps, d'harmonisation sur temps. Moi, je pensais que des hommes et des femmes d'État du compromis historique, des hommes et des femmes d'État de raid, eh bien, ils ont gagné pour raviser, ramener à la raison et une harmonisation sur le temps qu'ils vous fait. Peut-être que me demandez ça avant, ils ont même votre courrier ça, ils ont été chita, peut-être à tort ou à raison, derrière cette question de présomption d'innocence. Et que bonjour, Zia, et le représentant de Edirel Compromis, il est devenu inculpé qui tombait sur le coup de l'article 2 et décret 10 et avril là. Donc il fait que et article ça clair, il dit si ou accusé ou poursuivi pénalement etc. ou inculpé ou pas capable et non CPA. Or depuis juridiquement hein, une fois invité c'est parti de témoin dans le cabinet d'instruction, vous êtes un inculpé. Donc, et à ce
Elle dit, nous-mêmes, nous faisons constat dans cette lettre qui nous était adressée à ministre Jean-Marc Antoine Berthier, nous était clair, nous dit que situation ça et devant cabinet d'instruction, il changeait là le statut des trois conseillers et par conséquent ou pas capable chita non rencontre avec conseiller. Et m'espérer que l'autre ministre dans le gouvernement eux-mêmes ils comprennent nécessité dépassement ça pour dire écoutez nous ne pouvons pas et faire ça au pays. Donc il faut agir et le premier ministre le coordonnateur du CP eh bien, ils doivent prendre acte que désormais, ils sont invités au cabinet d'instruction et ils sont devenus, n'est-ce pas, et des inculpés et ils doivent faire place nette. Parlant de secteur et PM Claude, ou même, on se dit tout à l'heure, je suis d'accord avec 100%, le fait que vous demandez aux représentants l'impôt, tout la colle dans ces PTA, son acte de courage. Et est-ce que secteur concerné, nous pas essayer de discuter entre nous dans la perspective où on seule voix pour nous bailler de manière plus force pour nous être capable de joindre, de dire obtenir une cause. Alors, vous suivez ça fait environ un mois que plusieurs secteurs ont réuni régulièrement, ont partagé préoccupations sur la réussite transition hein, et comment ensemble nous capable d'organiser ou réorganiser. Pour nous retourner avec l'esprit consensus 11 mars là, accord 3 avril là, parce que, écoutez, il y a un véritable coup d'État CPO fait sur accord 3 avril là. Il faut l'admettre, il y a un coup d'État sur l'accord du 3 avril et que les CP, ils disent c'est eux qui représentent les têtes et c'est eux le secteur. Donc c'est un coup d'État sur l'accord du 3 avril. Et l'accord du 3 avril, c'est la loi des partis. Et c'est à loi ça. Que le premier ministre, M. Gary Conille, aujourd'hui, doit se référer. C'est à loi ça que les autres membres, entre guillemets, qui ne sont pas impliqués dans des scandales ou bien qui ne sont pas inculpés, ils doivent référer pour nous faire transition à marché. Donc, pas gagné, c'est une absurdité, et tout le monde qui attendait que CP a parlé de remaniement. Donc, c'est comme si on prend et peuple haïtien, hein, comme si pour, tu as dit véritablement de monde qui a dormi, qui c'est des imbéciles, pour quitter trois monde qui inculpé pour aller dire c'est moi qui a baillé ministre justice. C'est moi qui a baillé ministre défense, excusez-moi, pas défense, finance. C'est moi qui a baillé ministre intérieur. Donc, ça veut dire que chaîne sécurité a. Et de l'autre ministère qui est responsable de gauche entier, planification. Donc, c'est des inculpés qui vont décider dans souci pour être capable de sauver pour eux. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que moi, j'entendais ça. Moi, j'entendais gagner une des inculpés qui souhaitait que le ministère de la Justice. Mais, c'est du n'importe quoi. Écoutez, j'ai été inculpé politiquement. Faut comprendre. Et dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Dans la négociation politique, je n'ai jamais besoin du ministère de la Justice. Vous comprenez ça? Pour ne pas dire que je besoin du ministère ça pour être capable d'avoir. Et aujourd'hui, le commissaire du gouvernement près de la cour d'appel sortit un réquisitoire qui dit écoutez, ce juge d'instruction, M. Walter, c'était au monde qui t'a pris les affaires pâles. Vous suivez? Pas qu'il y a aucun lien, rapport entre les assaillants et l'appelant, à savoir moi-même. Donc, le juge a infirmé l'ordonnance. Le juge demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance me concernant. Claude Joseph, ensemble, famille Anoué Lakayo, donc en position li, sous question 3, monsieur yo, qui en d'un conseil présidentiel, là, donc que ULCC, lui-même, a demandé avec la justice pour mobiliser, donc pour que lui mette en mouvement, donc pour que lui arrive sous monsieur Sayo. Donc, nous, ouais, que gagne juge et Benjamin
et fils aimé qui gagne dossier ali déjà invité ou nan monsieur yo. Mais Blaise li dit que et juge là li pa gen compétence parce que c'est devant route cour justice, c'est nan assemblée générale donc de parlement, de devant parlement que pour ta juger li. Donc ça veut dire que tout autant pa gen parlement yo pa ka juger trois monsieur sa yo qui inculpé par ULCC donc nan dossier et BNC. Donc tout autant que pa gen yon parlement selon ça que metan Blaise ta fait nous et comprendre là. Donc nous pa inviter autant d'el et réaction yo, pas oublier la gueule en bas vidéo. Le président de la République, par exemple, que moi dis juge dans ça, qui vient de nommer le ce juge là, juge Benjamin, c'est le CPT. Donc pour nommer comme juge, qui ça pour gagner et Monsieur Assad, faut une commission présidentielle. Absolument. Donc c'est une commission présidentielle qui vient de nommer Monsieur Antoine Maïsra et Benjamin Fils-Aimé. Bon, bah, qui beaucoup plus important encore que m'a souligné, profite de souligner. Il y a un monde qui dit que son collégialité. Non, mais c'est erroné cette analyse. Pourquoi? Même genre que par exemple de la Cour d'appel. Mais chaque n'est pas président. Mais on va l'expliquer, on va le justifier. C'est en tant que collège. Ensemble le président. Pas un problème qu'on va le justifier. Là où aller dans la Cour d'appel. On est bien d'accord que la cour d'appel s'exerce par la collégialité aussi. Mm-hmm. Là, devant un collège de juges, de trois juges devant cour d'appel, un président, il y a deux assesseurs. Mm-hmm. Maintenant, collégial, il y a une décision. Il y a une décision qui s'est passée. Il n'a pas dit que c'est le président du collège, il n'a pas dit que c'est les deux assesseurs. Mm-hmm. Donc, tous les trois sont des juges identiques. Mm-hmm. Donc, maintenant, nous avons collégialité, c'est pareil, c'est similaire. Nous avons collégialité de personnalité, Yodi qui. À qui contre, en tout cas, qui remplit fonction de président de la République, attribution fonction de la République, là, ils ont décidé en qui qualité. Ils ont toutes les signes, même on t'a dit que c'est le collège qui est président, même j'avais collège devant la cour d'appel, ils ont signé en tant que président de la République. Je suis désolé. Est-ce que texte est lacunaire? Peut-être qu'il y a lacunaire, mais à ce jour, on a le texte n'est pas modifié, donc il faut le respecter. Même j'en juge l'île là pour le respecter tout texte normatif, constitution, loi, jugeant par le choix, le contexte qui institue un organe qui crée 9 présidents, c'est désolé, soit je suis d'accord avec elle, soit pas d'accord avec elle, mais il existait, donc il faut le faire avec elle. Maintenant, le juge n'a pas le choix. Vous dites qu'il faut la haute cour de justice, la haute cour de justice, vous supposez, c'est le Parlement, c'est bien le sûr, Sénat de la République. Bien sûr. Donc il n'y a pas de Parlement, donc il va falloir attendre l'arrivée du nouveau Parlement. Encore comme président. Je veux bien répondre. Est-ce que la loi est rétroactive? Est-ce que vous êtes capable de tourner? Je veux bien répondre. Il faut envoyer la responsabilité à Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse n'a pas organisé les élections. Donc la haute cour de justice est constituée de quoi? Est constituée de la Chambre des députés et du Sénat. Donc c'est pas notre responsabilité à ce jour. Que institution qu'elle existe et qu'elle va exister, c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que il y a une constitution qui prévoit un organe, en tout cas une juridiction qui pour poursuivre l'affaire, si vous décidez de poursuivre, c'est la haute cour de justice. Maintenant, vous avez bien dit. Après, si nous gagnons une haute cour de justice qui vient, par contre, une élection qui vient faite dans 2 ans, dans 3 ans, nous venons une haute cour de justice qui est constituée, est-ce que l'affaire est prescrite? Il n'est pas prescrit. L'affaire n'est pas prescrite d'ailleurs. Il a traité de dossier ça. Bien sûr, parce qu'il n'est pas prescrit, parce que son crime lié. S'ils sont, en tout cas, infraction que vous reprochez à son crime, donc prescription que il n'est pas 1 an, que pas 2 ans, que pas 3 ans, que pas 5 ans, toujours une possibilité pour votre cour de justice de dire écoutez, pas de problème, que vous pouvez attendre que mon monde sache. Mais là, on va lire, puisque tout à l'heure, on fait référence avec. Pour montrer comment monsieur yo il est bien situé, il y a un décret même qui va être création à ça. Ok? Il y a l'article 2 du décret qui dit qu'il va être dans quelles conditions au monde qui a le CPT. Bon, ça va pas jouer dans l'étape formelle. Vous allez dans ce côté bas de là où tu as conseillé de monde peut-être. Bon, vous avez donné la réponse. Ok? Et je dis. Outre les conditions prescrites par l'article 135 de la Constitution, nul ne peut faire partie du Conseil présidentiel de transition. 1. S'il fait actuellement l'objet d'une accusation, il n'est pas qu'à CPT, d'une poursuite pénale, parce que c'est montré selon moi par les poursuites, ou s'il a été condamné dans une juridiction quelconque. S'il fait l'objet d'une sanction de l'Organisation des Nations Unies, s'il est candidat au prochain élection, etc. Mais en étant ça, je dis pas que personne qui vient de faire partie de CPTSA, si il fait objet d'une accusation, d'une poursuite pénale ou s'il est condamné. Donc, qu'est-ce que ça a été capable d'attacher à Smith Vettel? Aucun. Et c'est un peu dommage que nous ayons des juristes. Il est accusé, non? Bien sûr, mais c'est un peu dommage que nous ayons réflexion des juristes, analyse des juristes qui pas objectif, pas politique, pas compétent, mais qui est très compétent, mais qui pas objectif en fait. Et vous étiez candidat au Sénat. Mm-hmm. Ok.
moi j'étais candidat à la députation pour la Croix-des-Bouquets. Il y a des critères d'éligibilité. Maintenant, il te dit que, écoutez, M. Assad doit lancer le pays pour capable éligible, pour pas condamner en peine infractive et infamante, etc., etc. C'est des conditions, des critères d'éligibilité. Mm-hmm. Ou remplir toutes conditions, il n'y a pas de bon problème, ou tu es candidat. Moi également. Mm-hmm. Lorsqu'il est sénateur, lorsqu'il est député, est-ce que il a dit, écoutez, puisque vous êtes sénateur ou député, mais oui, on poursuit pour actuellement la Rounian, puisque il y a poursuivi aujourd'hui, ou c'est inculpé, ou parce que c'est sénateur. Ce n'est pas la même chose. C'est pareil aussi, peut-être que là, j'ai une opposition avec l'autre stratégie, l'autre défense. L'article 135 ne fait pas conscience et pas crédibilité que Mabdil. Mm-hmm. Ouais, Mabdil Fangriam, non. Mm-hmm. C'est pas l'article 135 qui fait de M. Vettiler le président de la République. Non, mm-hmm. Non, pas du tout. L'article 135 de la Constitution, c'est des critères d'éligibilité pour une président de la République. Mm-hmm. C'est pas l'élection. Non, pour l'élection. Mm-hmm. Voilà. Donc, moi-même, pas besoin. D'accord avec nous, ça fait ça, son arrangement, oui. Son accommodement. Non, mais nous ne sommes pas totalement dans la loi. Voilà. Donc, non, mais cette fois c'est la loi, cette fois c'est pas la loi, c'est consensus, c'est entente. Non, mais c'est juste pour vous dire que c'est juste pour vous dire que l'article 135 le rapporter, en fait, quand on rapporte l'article 135 à l'article 2 du CPT, l'article 135 jamais au plus grand jamais je ne l'aurais invoqué en face du juge, auprès du juge pour dire que président Vettiler, les présidents par rapport à l'article 135. Non, jamais. Les présidents à partir d'un accord. Mais non, pas à partir d'un accord. Les présidents à partir d'un décret. Un décret, oui. D'accord. Donc, d'un décret. Ici, de l'accord, oui. Maintenant, Gounian, lui et son texte normatif, on décrète son texte normatif que lui. Oui. Maintenant, je dis, c'est pareil. Parce que je dis, mais qui condition pour remplir pour venir élu président, n'est pas lui qui faut président ou pour le président. Ou pour le président sous rempli condition ça. C'est pareil aussi. Maintenant, pour venir et conseiller présidentiel, article 2 a dit, mais qui condition pour remplir. Faut pas jamais, quand on était sur question de poursuite, là, faut pas jamais, faut pas avoir une poursuite pénale qui est exercée à l'encontre de vous-même. Mm-hmm. Et est-ce qu'à ce jour, on est dans la création de. Excusez-moi, monsieur Assad, si vous me posez une question comme ça. Mais je vais vous poser une question, c'est pas vous poser une question parce que je vais vous poser une question. Mm-hmm. Est-ce qu'on est dans la création du CPT à ce jour? Non. On n'est plus dans la création du CPT, le CPT existe. Maintenant, sous besoin qu'on ait des critères de retrait pour ne pas jouir de statut de président là, qu'on l'autre décret. Qui institué qui façon que M. Vettiler il ne doit pas qu'à CPT encore. C'est article 33 dans le décret mai 2024. Là, il dit qui ça? Faut le mourir. Ou bien il enfreint la loi. Enfreint la loi. Oui, ouais, voilà. Et puis, ou bien l'empêcher. Ou l'empêcher. Et là, c'est là que moi-même que j'ai demandé au président Vettiler. Il n'a pas le droit de violer la loi. Mm-hmm. Et ça nous explique le juge là. Si M. Vettiler, je dis, il présentait, je suis désolé, s'il présentait devant le juge, il violait la loi. Mm-hmm. Et à partir de violer la loi, il fragilisait l'autre collègue, il fragilisait l'ensemble de l'institution du CPT. Le Sakounian, collègue, il a demandé pour mettre action publique en mouvement contre M. Vettiler. Pour répondre à l'article ça, oui? Parce que le monde qui évoquait lui, que Claude Joseph l'a évoqué dans sa demande à son ministre. C'est dommage. Général, c'est dommage. Il dit que, il m'a appelé, on dit la parole. Personne au monde qui gagne accusation sous deux, pas de droit dans le CPT. Donc, si vous avez accusation sous avant, ou pas de droit là-dedans, mais si vous avez un coup, vous avez droit là-dedans. C'est bien dommage que son premier ministre qui fait des réflexions sérieux. Hein? C'est bien dommage parce que, article de Ali Clair, c'est on conduit ma propriété encore Assad, pour publiquement parce qu'on bel auditoire. C'est condition d'éligibilité. Là, on a condition d'éligibilité. C'est ça, je dis. Oui, c'est ça, condition d'éligibilité. Pour faire partie du CP ou pas faire partie du CP1 sous bon poursuite pénale. Mm-hmm. Regardez pour moi. C'est condition d'éligibilité, donc ou pas qu'on a CPT. Ah bien sûr, donc si même le bar écrit, il dit nul ne peut sous Khalil pour moi. Il dit, outre les conditions article 2, les mêmes articles. Mm-hmm. Il est créé au conseil présidentiel de transition. Il est créé. 7 membres. Mm-hmm. Donc il est créé. Il est créé. Avec droit de vote et de 2 observateurs. D'accord. Et les 7 membres représentent un ensemble d'organisations. Effectivement. À côté de 30 août, à côté de décembre, collectif, réalité pour l'histoire, famille la balance, puis les secteurs privés. Des observateurs qui essayaient, etc., etc. Et puis il dit, outre les conditions prescrites par l'article 135 de la Constitution, nous ne pouvons faire partie du Conseil présidentiel de transition s'il fait actuellement l'objet d'une accusation. Ah. D'une poursuite pénale ou s'il a été condamné dans une juridiction. S'il vous plaît, Soukha, oui, juste pour moi. Outre les conditions de l'article 135 de la Constitution, oui. Nous avons éligibilité. Nul ne peut faire partie. Mm-hmm. Nous n'avons condition que pour intégrer le CPT. C'est condition d'éligibilité, c'est clair. C'est bien dommage qu'on premier ministre lui font raisonnement que comme ça. On n'a pas besoin de juriste, en fait. Mm-hmm. Moi, dans condition d'éligibilité, moi, dans condition de. Parce que là,
Monsieur Vertilet, Monsieur Smith-Augustin, je ne suis pas l'avocat des deux autres, mais je permets que pour me parler d'envoyer au Kounia là. C'est à titre de là, il n'y a pas comme membre CPT. Hein? Non, il est créé. Non. C'est deux barres que nous disons. Non, c'est deux bagailles. Il est créé, c'est le même genre qu'il y a la Cour constitutionnelle qui est créée. Il est créé une Cour constitutionnelle. Pourquoi est-ce que dans le Conseil constitutionnel là non, il est créé. Non. Tout ce qui était là déjà. Non. C'est les membres. Très bien, c'est Sambalzo. Il est créé une Cour constitutionnelle. Il est créé un Conseil de transition, un Conseil présidentiel de transition. Maintenant, il faut choisir les personnes qui vont faire partie de ce Conseil présidentiel. Il est créé. L'institution est créée, aucun problème. Maintenant, c'est le monde qui va remplir fonction dans le Conseil présidentiel là. Il ne va pas le choisir, le monde qui va faire fonction. Maintenant, si le Conseil là qui est créé, pas de problème. Parce que le Conseil n'est pas créé. Et par contre, soit souverain et monsieur Sal. Le Conseil n'est pas créé à partir des membres. Le Conseil est créé à partir d'un décret, en fait. C'est l'institution qui est créée. Maintenant, il y a des personnes qui doivent exercer les fonctions au sein du conseil. Il ne peut pas choisir mon Mugunia. C'est même genre qu'un tribunal qui crée. En exemple, le tribunal de la Gonave, il y a un tribunal de première instance. Institution. Institution, maintenant qu'on y a par exemple, on prend exemple ça à bord. Mais qu'est-ce que ça va trouver non mon Mugunia? Non. Yo bay, qui moun qui secteur peut choisir mon Sao. Et yo du conseil qui ne peut pas choisir mon Sao, même qui moun qui peut faire partie là, qui moun qui peut faire partie là. Un pour exemple est très facile. Maintenant, le gouvernement du docteur Kony avec CPT1, il a créé 5 juridictions. Les juridictions sont créées, on est bien d'accord. Il y a la juridiction que le Sénat a défendu bien comme une opposition avec elle. Le tribunal de première instance de la GONAF est bien créé. Nous pas contester ça. Le tribunal est créé. Maintenant, il faut qu'il y ait des juges au sein du tribunal. Il faut qu'il y ait des commissaires du gouvernement au sein du tribunal. Mais maintenant, pour être commissaire du gouvernement, qui critère ou gain pour commissaire du gouvernement? Il faut licencier en droit. Il faut pas jamais condamné. Peut-être qu'il faut dans la juridiction pour être juge au sein du tribunal aussi. Il y a des critères que vous voulez juger. Maintenant qu'on a si vous trouvez vigilance, très bien. Et là, c'est intéressant. Et M. Assad a fait développer la capacité que je vais gagner. Si vous trompez, si vous trompez vigilance, il y a une sanction pour ça. La sanction, c'est quoi? Maintenant qu'on a la sanction, si vous avez trompé vigilance, que je ne trompe pas vigilance, bon, c'est mentir, non? Non, mais c'est pas le même cas. Je ne trompe pas vigilance, c'est pendant mon temps, on a si violé yon disposition parce que yon dit pour un conseiller présidentiel ou pour un juge, par exemple, on dit un exemple dans le cas de juge magistrat Benjamin et Félix B. Il c'est juge à part entière, il juge déjà, mais yon dit non bagaille. Les grandes dispositions, article 90 code de son code et pardon, article 90 code pénal, qui dit qui ça dit si on juge les des moyens, il prend un risque d'y remettre un mandat, d'y remettre une ordonnance. Contre une autorité politique, tant qu'on président de la République, quand on fonctionnait de l'État, sans pas autorisation président de la République, mais qui ça qui est exposé à elle? Il est exposé à destitution, il est exposé à détention. Le juge est bel et bien juge. Mais les juges, pas de problème. Mais il n'y a pas dans le juge là. S'il violait la loi par rapport à l'article 90 du code pénal là, mais qui sanction qui est voulu après? Donc, pas aucun problème que l'idée, c'est que oui, il ne va pas retourner que dans la question que même violer la loi Kounian, il n'y a pas de loi encore. Non, c'est pas ça. Sous violer la loi, mais qui sanction qui vient après. Et c'est pour ça que j'ai attiré l'attention du juge. J'ai sollicité de la bienveillance du juge. Un, moi je sollicite à titre principal un refus d'informer. Il est clair. Moi je dis, juge, écoutez, sur le fondement de l'article 24.1 de la Constitution, 24.1, 186, 189 combiné de la Constitution, j'ai sollicité de votre bienveillance de bien vouloir faire un seul bagage pour bailler en ordonnance de refus d'informer. C'est obligatoire, c'est d'autres publics. La deuxième chose, à titre subsidiaire, si le juge dans les dit qu'on s'accueille, il voulait poursuivre, soit poursuivre ou en façon de poursuivre. Article 90 dit que, ou pas qu'à poursuivre, en autorité politique comme ça, c'est pas mon idée, c'est article 90 code pénal là. Si vous poursuivez, vous avez une autorisation du président de la République. Maintenant, pour qui ça? Le juge n'a pas qu'à remettre au Il n'a pas inculpé client, sans que Kounia, il n'a pas, premièrement, pour pas obéir, en tout cas, pour pas respecter l'article de disposition constitutionnelle et l'article 90 code pénal. Et si le juge là lui-même, c'est bien normal, c'est un juge très compétent, très sérieux. En tout cas, beaucoup de gens entendent un mauvais témoignage contre le juge. Je pense que je n'ai pas pris un risque, parce que si le prend un risque, qui ça me va faire moi-même par exemple. Et ça, et là, nous avons une question dans le raisonnement. S'il viole la loi, il n'y a pas aucun choix. Maintenant, son action en décision. Si tu mets à Gedi Blaise dans un ami famille Anouel Akayo, donc en situation sécurité pays est vraiment compliqué hier soir. Donc un monsieur vivant ensemble te mettait pied ou à terre dans Solino, eh bien nous te font arriver dans Fort National côté que Fort National li en bas presque contrôle
donc de monsieur Vivant Samyo. Donc il y a un pile coup de balle qui a tiré et jodi en là dans Fort National. Fort National la Ligue gagnait yon base boy là-dedans, donc c'est grâce avec base ça qui fait que tout Fort National pas en bas contrôle. Donc de monsieur Vivant Samyo. Donc on regarde comment situation y est zami famille nous. Pour nous jouer de côté pour nous dormir. Et dans la rue, nous n'avons pas de caille. Nous n'avons pas de sauver à rien. Nous n'avons pas de sauver à rien. Dis tout. Tout le soir, il y a des différences dans la rue. Nous n'avons pas de sauver à rien. Nous n'avons pas de sauver à rien. Nous n'avons pas de Saint-Michel. Même sous fort, Saint-Michel, Massira. Parce que tout le monde boule dans la rue, dans la ville, nous n'avons pas de sauver à rien. Nous n'avons pas de sauver à rien. Pour nous vivre. Quel message pour l'État? Pour l'État, tu as vu une supporter, nous avons une aide. Parce que dans la rue, il y a d'accord. Doit virer ça maintenant c'est pour virer le paro et pas sur nous pour virer. Journée jodi à nous-mêmes n'a continuer même les lapli tempête n'a résier nous n'a dormi à terre sous conscience nèg ça yo. Pas oublier yo gen petit tout gonbay que les kama jodi a ou fait un bagaille maman avec papa capel ou gen petit tout même là voye petit tout New York mais le capel New York là nous-mêmes journée jodi à nous-mêmes sur monde fond national solino. Nous pas capables encore, mais quand même, victoire finale là, c'est pour peuple, nous continuer la bataille. Merci, journaliste. Okay. C'est le merci, okay. D'accord. Okay. Madame, te, même vous-même qui avez mené barbecue l'école, vous n'avez pas nié, non? Et pas ça. Pas de monde qui est pas nié, non? Vous avez dit même pitié, pas pour vous? Non, pas de monde qui prend pitié pour nous. Vous avez mené barbecue l'école, lui? Oui. Merci, Amé. Moi, tant que l'école m'a mené, tant que moi, j'ai pitié. Moi qui est petit, tant que moi Vincent, je suis à l'école, mais je ne suis pas à l'école, je ne suis pas à l'école. Oui. Merci. Donc c'est comme ça situation hier, nous fait un pile effort pour nous arriver dans Fort National malgré un pile cartouche, donc pour nous porter image ça pour vous. Donc Wadim qui ça qui pensait de cette situation paysan. Donc qui élément de réponse qui est ça que donc gouvernement lui-même li doit faire pour résoudre avec et problème ça. Est-ce que li doit chita avec gang yo? Donc est-ce que yo doit donc à monter opération qui vraiment musclée donc joindre l'autre matériel donc matériel qui nécessaire donc seulement donc pour que yo éliminer donc monsieur Sayo donc une fois pour toutes. Wadim, ça que vous pensez dans commentaire en bas vidéo. Donc quitte à moi-même rejoindre dans prochaine vidéo côté pendant que n'a salué toutes zanmi nou yo qui a écouté nous un peu partout dans monde là qui apprécie travail que n'a fait. Quitte à moi-même n'a rejoindre moi dans prochaine vidéo.